Peut-être qu'on prenne le dialogue, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Voilà, merci. Il y a un vrai problème de construction sur cette ligne, sur ce qu'on m'a redit. Hein. Une ligne qui n'a pas été construite comme les autres lignes TGV. Donc, il pourrait se faire qu'il y ait des nuisances sonores qui apparaissent beaucoup plus que sur certaines autres lignes. Aujourd'hui, on demande à la SNCF d'avoir une petite étude sur ce qu'on pense être une anomalie technique. Les associations se rendent compte qu'on ne va pas pouvoir tout le temps faire des rassemblements sans avoir des actions virulentes. On est actuellement à la gare. Il n'était pas du tout prévu de rentrer dans la gare, mais on est débordé par les gens. Ils veulent absolument rentrer dans la gare et voire même arrêter les trains. Il y a des grosses améliorations à faire et qui sont possibles. Arrêter un mur anti-bruit à 10 mètres d'un pont et laisser un vide de 10 mètres, ça donne un coup de canon que les gens ressentent, comme c'est pas impossible. Il suffisait de 10 mètres de plus et puis les gens étaient tranquilles. Mais ça, on a ça à tous les ponts, à tous les ponts. À croire que ça a été fait exprès. Un merlon qui est promis à 4 mètres de hauteur, le voir à 1 m 70 de hauteur, c'est quand même lamentable, quoi. C'est se foutre de la gueule du monde. Il va y avoir d'autres rassemblements, oui. Mais ce qu'on aimerait d'abord et avant tout, c'est dialoguer avec la SNCF.